Jean Jaurès penser pour agir Bien bonjour nous accueillons aujourd'hui une personnalité nicaraguayenne Monica Baltodano qui qui, a été une, qui, est, qui est toujours sandiniste mais euh, qui est aujourd'hui après avoir été une sandiniste euh, historique Uh, elle se trouve dans l'opposition à ce qu'elle qualifie, elle va nous expliquer pourquoi, uh, de dictature de Daniel Ortega. Uh, Monica Baltodano, bonjour. Uh, puede, por favor, presentarse? Donde estaba en 79? Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire où étiez-vous au moment de la révolution en 1979? Muchísimas gracias por este espacio. Eh, en 1979, eh, todos los primeros meses de ese año fueron de mucha lucha contra la dictadura de Somoza. En la insurrección que se inició en junio, en la insurrección final, yo era y, parte del Estado Mayor de, del, la, del frente. En, en Managua me tocó combatir y luego formamos un batallón que combatió y liberó las ciudades de Jinotepe y luego en granada en una eh, lucha muy fuerte que terminó con la rendición de, de los altos mandos de la guardia de somoza por, ¿eh? de somoza, por cierto eh, 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 no quería rendirse porque yo era una mujer pero, bueno, bueno, <laughs> ah <¿sí? risa> eh, bien je vais essayer de, de, de resumir. Et Monica Baltodan était dans les unités combattantes du front sandiniste à Managua, puis ensuite elle a dans un bataillon participé à euh, la, la, la prise d'un certain nombre de villes en dehors de, de la capitale, et pour terminer, elle précisait que les les, les soldats de la garde du dictateur Somoza euh, avaient des, des états-d'âme euh, en vue de rendre leurs armes euh, à une responsable qui était une femme Y después de la victoria, ¿qué papel tuvo en el nuevo espacio de gobierno de poder sandinista? Y après, donc, la prise du pouvoir, ¿qué es que vous avez hecho? ¿Cuál ha sido votre place en el espacio de gobierno sandinismo? Bueno, tuve la responsabilidad de ser viceministra de la presidencia y ministra de asuntos regionales. Ministro. ministro de Asuntos Regionales, ah, sí. que me corre, que correspondía en la tarea de la descentralización. El régimen de Somoza era sumamente centralizado. Había que llevar la, la presencia de las instituciones y, el, y construir el, el poder popular en todo el país. Y por eso trabajé muy de cerca con el tema de los municipios, democracia participativa. Euh, bon, j'ai été vice-chef euh, membre, euh, chef de gouvernement, ministre en charge de la décentralisation, parce que le, le gouvernement traditionnellement au Nicaragua était très centralisé, et donc j'ai eu la responsabilité donc de faire passer la décentralisation et les, les nouvelles formes de gouvernement du sandinisme dans les différentes parties du pays. Et en tant vice-présidente... Vice y ministra de qué Ministra en, de Asuntos Regionales, llama. Ministro de Asuntos Regionales, se de asunto, llama de, Ministerio de, 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 de la Descentralización, eh, ¿en qué años? En, desde el año 1982 hasta 1990 en que perdemos las elecciones. Ah, donc, elle a été ministre depuis donc le, la prise du pouvoir en 80 jusqu'en 90. En, en, de, de 1982. De 1982. Jusqu'en 1990. Jusqu'en 1990, euh, où il y a eu une alternance. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1990? Qu'est-ce qui s'est passé à vous? Eh, a la guerra contrarrevolucionaria que fue muy dura y que eh, de, debilitó muchísimo la revolución eh, económica y socialmente. Es eh, la guerra que... Eh, Eh, contre révolutionaria' impuso armo et financiauxaria alors ces années là les années quatre vingt dix ces années donc il y a eu alternances ont été très difficiles c'étaitaient les années d'une guerre civile qui, qui avait frappé l'économie et donc c aétait un contexte assez compliqué mais quel est passé en années tellement difficile? Qué es que vous es arrivé a personalmente años En 1990, que salimos del gobierno, yo sigo, eh, haciendo función pública como concejala de, de, la ciudad de Managua. Y durante ese tiempo, eh, me destaqué por mi denuncia de la corrupción, eh, que llevaba adelante quien luego sería presidente de Nicaragua, que es Arnoldo Alemán. Et donc, pendant ces années-là, j'étais conseiller municipal de Managua, la, la capitale, et j'ai beaucoup bataillé euh, politiquement contre la corruption, et en particulier celle du président allemand, enfin, celui qui était président euh, à ce moment-là de droite du, du Nicaragua. Et puis, je entré en contradictions avec con Daniel Ortega. En esos años, también. en los, en los, en el año exactement 1998-99, commencent mes contradictions avec con lui, parce que él, Eh, se adueña, eh, se apropia, privatiza, por así decirlo, el Frente Sandinista, se constituye como un autócrata dentro del Frente Sandinista y pacta o hace una, una alianza corrupta con ese presidente Arnoldo Alemán. Et donc ce sont aussi ces années là mais où je commence à marquer une distance avec Daniel Ortega, qui a en quelque sorte privatisé le Front sandiniste, se l'appropriant et passant, qui plus est, une alliance avec d'intérêts partagés avec le président de droite de l'époque, Arnaldo Aleman. Y el, el contenido de esa alianza era el reparto de las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, y es lo que me explica que Ortega ahora sea un dictador que controla. de forma absoluta todos los poderes de l'état. Alors, en quoi consistait cet accord entre euh, corrompus euh, Ils se sont répartis les grandes institutions du pays et c'est ce qui permet de comprendre aujourd'hui euh, comment euh, Daniel Ortega euh, a pu transformer euh, le pays, le régime en, en dictature. C'est à partir de ce partage institutionnel entre lui-même et euh, le président allemand. Además que se convierte él en un en un este burgués, en alguien que se adueña de medios de producción y construye un grupo económico emergente que gira alrededor de su poder. Y paralelamente a esta mise à, à, sous tutelle de des grandes instituciones del país. il se constitue euh, un groupe économique euh, direz il passe du côté de Daniel Ortega de, de la bourgeoisie avec un groupe d'amis euh, et il commence à contrôler un certain nombre d'activités économiques quand il y a le gouvernement de nouveau, en 2007, 2007 no ne queda nada de quel revolucionario ni queda nada de aquellas de aquellas propuestas de transformación que había levantado la revolución. Et donc, euh, conclusion. Donc en 2007, cuando él revient par la voie electoral, cuando él revient au pouvoir, euh, c'est dans des conditions qui n'ont rien à voir euh, avec celle euh, des origines. Es además muy conservador en relación a los derechos de la mujer, a, eh, eh, criminaliza el aborto terapéutico, eh, favorece el extractivismo favorece eh, el, el, todo el régimen de, de libre comercio sin ningún atraso, o sea. Et donc, c'est un régime néolibéral qu'il met en place et qui plus est conservateur d'un point de vue social, sociétal, puisqu'il supprime le droit à, à, à l'avortement thérapeutique. Donc, ce sont des, des mesures antiféministes. et qu'il ouvre le pays au livre-marché, aux entreprises extractivistes. Donc, on est en 2007 dans un autre contexto lo que quiere decir que usted no participa en, el, no. en 2007 nada nosotros ha, hemos roto con ortega desde los años 90 eh, pero no hablo cuando dice nosotros eh, son ¿quién miles, está hablando? miles de sandinistas que fuimos saliendo en distintas oleadas una eh, en el 95 otra en la que yo me inscribo en el 99 otras sí. Eh, ya para las elecciones del 2006, o sea, vemos miles de sandinistas que no estamos de acuerdo con la deriva autocrática, conservadora, neoliberal de Daniel Ortega y que fuimos siendo excluidos. Eh, y entonces, esta evolución... donné au sandinisme par Daniel Ortega a provoqué une fuite perlée en vagues successives de milliers de militants historiques du, du sandinisme en 95 en 99 et ainsi de suite et moi enfin Monica Baltodano je m'inscris dans ce courant de sandinistes qui ne se reconnaissaient plus dans le Daniel Ortega de 2007 et así el el gobierno que él realiza à partir de 2007 además adquiere ya un rasgo terrible cuando reprime violentamente movilizaciones populares, sociales, cívicas en el 2018, eh, eh, represión que ha sido calificada por los organismos internacionales de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. Et donc le, on est arrivé à un, à un sommet de d'une de, 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 de révolution conservatrice de, de la part de Daniel Ortega euh, avec la répression des manifestations euh, de rue, manifestations sociales, qui a atteint un sommet en 2018 qui a été condamné par un certain nombre d'institutions internationales euh, comme un crime contre l'humanité, avec des, des répressions sauvages de, des manifestations. Entonces, ahora que, ¿cómo se podía describir eh, Nicaragua? ¿Existe espacio de contestación o no? ¿Qué pasó con Daniel Ortega? ¿Qué hizo con el derecho de prensa, el derecho de manifestar, los derechos fundamentales? Todos los derechos humanos, civiles, políticos, están absolutamente aplastados. A partir del 2018 no existe libertad de prensa, de pensamiento, de organización, de reunión, de movilización. Ha cerrado más de 4.000 organizaciones, 27 universidades, todos los, todos los medios de prensa. Es un régimen dictatorial peor que el que conocimos cuando luchábamos contra Somoza. Et dont la question posée était de savoir comment pourrait-on décrire le régime actuel du Nicaragua. Je pars de la conclusion, le régime actuel est pire que le régime que nous avons connu au moment de la révolution, le régime de Somoza. Aujourd'hui, il tous les droits toutes les libertés ont été suspendues, droit de réunion, droit de presse, euh, liberté de 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 4000 ONG, syndicats ont été fermés, 27 universités également. Euh, donc il n'y a plus euh, aucun espace. usted euh, Nicaragua Vous avez continué à vivre au Nicaragua en dépit de cette situation Nosotros salimos al exilio en el año 2021. que se, reproduce, se recrudece el, el, los niveles de captura. Supuestamente ese año deberían haber elecciones y pensamos que tal vez era un espacio de salida democrática, pero en vez de realizar elecciones, lo que hizo fue capturar a líderes eh, de todas las fuerzas políticas y, y a candidatos. Et il n'y no avait plus possibilité de quedarse en Nicaragua dans ces conditions. En 2021, j'ai cru que l'opposition la, la, allait avoir la possibilité de, de s'exprimer. Il y avait des, des élections présidentielles. Euh, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a eu une vague énorme d'arrestations de, de tous les candidats potentiels, euh, ce qui a conduit les, les opposants. Don, yo mismo, a el país, a exilé, por la plupart en Costa Rica. Sí, y encima de que eh, una buena parte de nosotros ya estaba en el exilio, en, el, en febrero del año pasado, 2023, ha desnacionalizado, o sea, eh, quitado la nacionalidad, pero además confiscado todos los bienes. Nuestra pensión de jubilación de los que ya estábamos jubilados, expropiada también, y no solo afecta eh, a quienes ellos consideran sus enemigos y, y nos han declarado traidores a la patria, sin juicio, sin derecho a la defensa, sino que también reprime a las familias. Y Nicaragua es una inmensa cárcel donde mucha gente no puede salir y donde mucha gente que quiere nicaragüense, no puede entrar porque simplemente dicen no entra. Nadie que en sur Alors, nous avons quitté le, le Nicaragua, mais la répression s'est poursuivie. En 2023, nous avons été 319, à avoir perdu comme traître à la patrie notre nationalité nicaraguayenne, et non seulement nous enlever notre nationalité, mais on a saisi nos biens et également nos droits à percevoir une retraite. Donc, je n'ai plus. Madame Baltodano n'a plus de retraite depuis 2023. Et donc qu'est-ce en Costa Rica Qu'est-ce Qu que vous êtes en train de faire actuellement euh, au Costa Rica, en, en exil En un exilium très dur parce que les exiliums sont toujours terribles, mais je que qu'ils sont plus durs pour les personnes déjà âgées comme nous. Y sin, y sin ningún ingreso, viviendo de la ayuda de la familia, eh, de hijos y de, y de amigos, eh, pero seguimos con, con, con la misma convicción con la que luchamos contra Somoza, convencidos de que esta dictadura tiene que caer, que eh, se van a abrir cauces ahora por la vía cívica, pacífica, no violenta. Para hacer los cambios que se necesita, porque el régimen es tan brutal, es tan cerrado que genera eh, resistencia aún dentro de quienes supuestamente los respaldan. Claro, ¿qué es qué, es se passe au Costa Rica, en la oposición? Desde un punto de vista personal, es una situación euh, difícil, como Toutes les personnes qui ont vécu des situations d'exil, ne serait-ce que d'ailleurs que pour vivre au quotidien, nous sommes tous aidés par euh, notre famille. C'est le, le seul moyen de subsistance que, que nous avons. Euh, pour d'un autre de, de notre côté, d'un point de vue alors politique, nous nous organisons pour. Euh, euh, Préparer donc la fin d'un régime dictatorial qui est si violent qu'il va finir par tomber par lui-même et qu'on qu sait qu'il y a des contradictions euh, internes et que nous travaillons pour euh, 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 nous préparer à cette euh, alternance au pouvoir d'une façon pacifique et non violente par la voie donc des, des, des arguments. Si et de et vous avez un rôle particulier pour son passé et pour son travail actuel d'investigateur. Et vous, vous avez la, dans cet espace d'opposition un rôle particulier en raison de votre passé historique dans le sandinisme et votre travail d'historienne. Oui, sí, et notre principal est dénoncer que Ortega ne... No es la segunda etapa de la revolución, que ya no es más un régimen de progreso, un régimen que trata eh, o que tiene en el centro de sus preocupaciones la situación de las mayorías, que, que no es verdaderamente antiimperialista, que no es de izquierda, porque creemos que el discurso, la retórica de Ortega, queriéndose presentar como la continuidad de aquella revolución o como un régimen de izquierda. Y queriendo presentar nuestra lucha como parte de un plan eh, del imperialismo, es muy importante explicarlo y quienes mejor lo podemos hacer somos los que venimos de aquella revolución, de aquella lucha y que seguimos siendo de izquierda y que seguimos levantando las banderas de los sueños que aún están pendientes. Alors pour nous, euh, quand euh, Madame Baltodano me dit pour nous, euh, ce sont les, les, les sandinistes euh, d'opposition. Euh, le régime de Daniel Ortega, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas la deuxième étape de la révolution sandiniste. Il n'a plus rien de progressiste, plus rien de gauche, plus rien danti impérialiste plus rien de démocratique. Et euh, notre rôle euh, est de montrer que euh, il y a une opposition qui reste fidèle aux idées initiales dans le contexte de la démocratie. Et c'est sur ces bases-là que nous fondons notre lutte et notre discours en vue d'éviter la, la, euh, si. que la jeunesse du, du Nicaragua considère euh, ou associe tout ce qui est gauche et solidarité à Daniel Ortega, qui est une dictature et donc rejette les idées de gauche. Nous voulons prouver qu'il y a une voie pour la gauche démocratique actuelle au, au, au Nicaragua et que cette voie passe par la fin de, de la dictature. <laughs> et je veux ajouter une chose que vous êtes très modeste. Vous que vous muchos libros de livres sur la révolution sandiniste et vous como comme très qualifiée pour parler. Merci. de ce chemin, de, du de, de, maintien de un progressisme révolutionnaire, démocratique. Je dis que Madame est très baltodano et très modeste. Elle a déjà publié quatre ouvrages sur l'histoire du, du sandinisme, de la révolution sandiniste dans l'esprit qu'elle vient de, 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 de signaler et que c'est la raison pour laquelle elle est un peu la figure phare euh, de cette opposition de gauche sandiniste à Daniel Ortega. Última pregunta, usted está haciendo una visita a distintos países europeos en este momento. Sí. Dernière question, je sais que votre temps est, est, est mesuré. Vous êtes actuellement en France mais aussi dans vous avez visité et vous allez visiter d'autres pays européens. si sí, hemos estado en Madrid, en Cataluña, en Bruselas, en En Holanda, en, en Amsterdam, estamos hoy en París, vamos para, a terminar esta, esta periplo en Suiza y particularmente a encontrándonos con gente que fue de la solidaridad con Nicaragua en aquellos años pero también con partidos de particularmente fuerzas de izquierda pero también estamos abiertos a hablar con todo aquel que quiera conocer un poco de esta situación de Nicaragua eh, en muchos de estos espacios también con intelectuales vamos a tener algunos hemos tenido actividades abiertas en esa misma línea de exponer realmente lo que pasa en Nicaragua la naturaleza derechista, misógina, reaccionaria de Daniel Ortega y de la importancia de, de, de que renazca la solidaridad. Aquella solidaridad con aquella hermosa revolución es muy importante reactivarla ahora con quienes estamos luchando para que, eh, Terminez la dictature et se ouvrent nouvelles portes de transformation en Nicaragua. Alors, effectivement, nous, nous venons de Madrid, de Barcelone, nous avons été à Amsterdam, nous allons aller en, en, en Suisse. Dans tous ces pays, nous avons des contacts assez diversifiés, mais vraiment centrés aussi sur tous ceux qui, dans le passé, ont manifesté une solidarité avec le, le Nicaragua. Pour bien faire passer cette idée que cette solidarité avec le sandinisme doit se perpétuer, doit se poursuivre, mais qu'elle ne peut plus passer par Daniel Ortega, mais par des gens comme nous euh, qui maintiennent les idées, les idées fondamentales et qui nous pensons, qui pensent que ce n'est pas en soutenant une dictature qu'on peut les, les perpétuer. Muchas gracias por su visita. Estamos pendientes de información y complementario que esperamos que vamos a, a dar a conocer a, a nuestros seguidores. Et nous désirons le meilleur pour para, para le futur et pour son pays, pour le sandinisme authentique et pour son pays. Je dis merci à madame Baltodano. Nous espérons des informations complémentaires qu'elle pourrait nous envoyer, que bien sûr nous porterons à la connaissance de tous ceux qui suivent la, la fondation euh, Jean, Jean Jaurès. Et nous lui souhaitons le, le meilleur pour elle-même, pour le sandinisme. Euh, historique euh, et pour euh, le futur de son pays. Merci. Merci beaucoup. <laughs>